Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Horizon, donc sur PS5. Alors je vous le dis d'avance, j'ai une crève de malade, ça s'entend je pense. Mon nez il est complètement bouché, j'ai même un œil, je suis obligé de me soigner un œil parce que j'ai à moitié une conjonctivite. J'ai le nez comme une patate, donc on verra bien ce que ça va donner, je suis désolé du coup, je peux pas faire autrement. J'ai aussi une tempête qui a commencé chez moi là. Donc, là, il y a du soleil actuellement, mais il y a un vent. Tu vas dehors là tout de suite. Je pense que t'es pas bien. Donc on va jouer tranquillement à ce Horizon. J'ai fini l'intro. Pour ceux qui se poseraient la question de où je suis, vous voyez que je suis niveau 3, j'ai fini l'intro. Je voulais pas vous faire une simple découverte parce que ben, ça met un petit peu de temps à démarrer ce genre de jeu. Donc on a toujours les compétences comme on avait dans les précédents, vous voyez, différents arbres, donc chef des machines, infiltré, survivant, chasseur, trappeur, avec ensuite un arbre à remplir. Donc après, une fois que vous avez cliqué sur un, vous pouvez naviguer sur tous les arbres. Je regarde dehors en même temps parce que je vous jure, il y a un vent. Moi, quand il y a du vent comme ça, je prie juste pour une chose, c'est que mon cabanon il tienne le coup. Voilà, donc on est sur la version PS5, pardon. Pour info, là, on est dans le mode le plus, on va dire le plus beau. C'est le mode vraiment en 4K, donc qui est capé à 30 images secondes. Alors autant dans Dying Light, ce mode, c'est impossible pour moi, que ce soit le mode résolution ou le mode avec le ray tracing ou je sais pas quoi, c'est impossible. Je trouve ça trop affreux. On va aller à d'abord. Autant sur ce jeu, pour l'instant je joue comme ça. C'est pas dit que je reste comme ça jusqu'au bout. Par contre, lui là. Il m'a dit fabrique des flèches d'acier. Des flèches. Des flèches acides, mais je ne sais pas comment on fait. Donc, écoutez. Ensuite, on va voilà, certainement avoir d'autres tenues. Bon, pour l'instant, j'ai pas énormément de choses quand même, mais voilà. Donc, pour l'instant, je joue sur ce mode-là. Maintenant, oui, voilà, comme je vous disais, c'est pas dit que je reste comme ça. En tout cas, on peut quand même le dire, c'est particulièrement. Joli graphiquement. Bon, vous m'en voulez pas, je fais vraiment ce que je peux avec mon nez là, parce que il est vraiment cuit mon pauvre nez là. Je vous jure, j'arrive plus à respirer. C'est abusé. Si jamais j'ai besoin d'éternuer ou quoi que ce soit, je couperai au montage. Vous inquiétez pas, un maximum. Pour tout vous dire, hier j'ai tellement éternué qu'aujourd'hui j'ai une douleur aux côtes. Dès que j'éternue ou n'importe, c'est une horreur. Ça me fait mal. C'est une horreur. Hop, il y a plein de choses à ramasser. Moi je ramasse un peu tout. J'essaye de ramasser un peu tout parce que tout peut être utile en fait. Genre c'est les bouts de bois que j'ai ramassés avant, bah ça là, ça sert à vous fabriquer des flèches. Ce sera dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Après, il y a des pierres, ça peut servir à distraire des machines. Vous avez des herbes médicinales que vous pouvez ramasser. Qui vous servent à vous soigner.
Donc tout ça, il faut le ramasser, ça peut être très utile. En plus, j'ai une fenêtre qui est un tout petit peu ouverte là, à l'arrière de la maison. Du coup, j'entends des trucs s'envoler, bouger et tout. C'est des petites pots de fleurs, des choses comme ça. Du coup, de temps en temps, je ne veux pas vous mentir que je surveille quand même. Est-ce que tu veux entrer, sauveuse? Bienvenue à Skorok, sauveuse. Alors, amélioration d'armes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, l'arc, parce que la fronde, là, je l'utilisais un petit peu pour l'instant, mais j'arrive vraiment pas à viser avec et correctement. Ah, ça y est, je peux faire des flèches faciles. Ok, donc c'est comme ça qu'il fallait faire. Je pourrais le faire là? On va peut-être y aller doucement. Parce que si on pouvait améliorer la tenue aussi, ce serait pas mal. Là, on va pouvoir améliorer le sac aussi, ça c'est pas mal. Bon voilà, on va le faire du coup. Bon, le 3, j'ai pas ce qu'il faut, il me manque. La tenue, je peux faire aussi le 2. Bon, bah, on va le faire. Voilà, je peux pas faire le 3. Je suis coincé, ça. On va en fabriquer. Voilà. Bon, attendez, pendant qu'on est là, on peut améliorer ça. Bon, on va le faire aussi. Écoutez, voilà, on va tout améliorer. Ok, donc là, ok. Ici, qu'est-ce qu'il fait lui? On va lui parler à lui. Ok. Bon. Vous voyez quand même, c'est plutôt joli. Après. Hop, on va faire ça. Ce qu'on va faire, on va aller là et on va faire une quête annexe, comme ça je vais pas vous spoiler je vais pas vous spoiler le scénar, etc. Oui, on peut rentrer par là, ok. T'as regardé les effets de lumière et tout. Franchement, le jeu il est quand même réussi visuellement. J'ai emporté ton ragoût pour aller dans les terres sauvages. Ça m'a suffi pour toute la semaine. Je suis sûr que j'aurais pu étrangler un galopeur à main nue. Profite tant que ça dure. On dirait que tu proposes des plats exceptionnels. Ah, oh, c'est pas vrai. Tu peux avoir la remise aussi, mais il va falloir revenir plus tard. Je crois que tu m'as prise pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Ulvun qui t'envoie? Non. Oh. Je te demande pardon. C'est juste que l'Arbin n'arrête pas de me harceler. Et en plus, mon grill spécial vient de rendre l'âme. C'est le coup de feu en ce moment. Tu peux peut-être me dire directement ce que tu voulais? Un de tes plats? Bien sûr. Les gens d'Ulvund te créent des ennuis? Il y a des embranchements aussi pour certaines Je choses réclame sans arrêt mes qui changent un spécialités. peu. Mais l'équipement dont j'ai besoin pour ces plats n'est pas conçu pour les grandes quantités. Je te parle même pas de la remise Ulvund à laquelle il croit avoir droit. Et si tu refusais? Je crée des plats, pas des embrouilles. Comment tu t'es retrouvé à Skorok?
J'ai entendu parler d'une nouvelle ville fondée tout près de la frontière. Là où il y a une ville, il y a une taverne. Et je cherchais du travail. Alors, je suis venu ici et je me suis mis à cuisiner. Il y a des gens ici qui n'avaient jamais goûté un vrai ragoût de sanglier au baie. Enfin bref, en un rien de temps, j'ai eu des clients réguliers. Ils devaient aimer ma cuisine. Ou la bière. D'après ton dernier client, ta cuisine l'a bien aidé dans les terres sauvages. Là où je vais, j'aurais besoin de ça. Ce serait avec le plus grand plaisir, d'autant que tu as au moins la décence de demander poliment. Mais mon grill spécial à rainures est cassé. Sans lui, je ne peux plus cuisiner aucune de mes spécialités. Même le visage, là, son visage à lui, il est bien fait. Hein. C'est là-bas. Même si j'avais déjà les bons ingrédients, je ne pourrais rien faire. À moins que tu me trouves un substitut temporaire. Il te faut quoi ? Comme ingrédient, un morceau de gibier et une grosse poignée de tiges de Vernonie. Ça suffirait. Et pour ce qui est du grill, je me débrouillerai avec une plaque de métal, en attendant d'en faire forger un autre. T'en trouveras dans les réserves d'un pillard, si tu longes la rivière au nord-est. T'en fais pas, je la nettoierai, bien sûr. Tu n'auras aucun mal à trouver du gibier et de la Vernonie. Ta tenue de chasseuse-cueilleuse n'est pas uniquement décorative. Merci, Milduf. Je vais voir ça. Alors, c'est donc ça, la gratitude. Et ne laisse personne abuser de toi, d'accord ? Je vais essayer. Franchement, son visage, il est super bien fait. Hein. J'ai déjà assez de vernis. On va t'acheter du gibier. Quête. Attendez. Oh, on va lui jeter les flèches acides. Après, il y a toujours, comme dans le précédent, il faut scanner. Et ça vous affiche les points faibles, etc. Voilà. On va se battre un peu, hein. C'est aussi le... le but de cette vidéo. Après, on va faire attention quand même. Hein. Ouais, bon, sur les combats, vous avez une touche coup fort, une touche coup faible. Voilà, je joue vraiment... à l'arrache, hein. Pas jouer comme je joue là, clairement. Sois tranquille, toi. Moi, je veux juste un foutu sanglier. Toi, t'as envie qu'on se batte, toi. Ils sont pas trop agressifs, mais bon. Ah, faut attaquer les points faibles après. Hein.
Bon. Niveau 4. Donc, on gagne un point de compétence. Enchaînement. Hop, on va faire ça. Pourtant, je vais me concentrer sur ça. Et sur survivant, et ensuite on mettra sur les machines. Pour moi, je suis ici pour des sangliers. Mais je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a dépassé les 30 minutes. Donc, on va... Je mets ça dans mon sac. On va gentiment s'arrêter. Sur de la baston. Allez, on va niquer ta maman, bien sûr. Hop, terminé. Voilà. Allez, on va s'arrêter là-dessus. On n'aura pas fini la mission, mais tant pis. C'est pas très grave. Il y a un autre sanglier là-bas. J'ai quand même réussi à le rater. C'est con, j'aurais bien aimé... J'aurais bien aimé finir ça quand même. Je peux m'en sortir. Laissez-moi tranquille un petit peu là. Allez! C'est possible que les sangliers résistent autant là. J'ai tout ce dont Milduf a besoin. Ça tombe bien, je commence à avoir faim. On va regarder un truc. C'est que je pense que l'on peut faire un voyage rapide. Et ça coûte... Ça coûte des packs, hein, visiblement.
Mais au moins, comme ça, on va valider la fin de la mission. Bon, la vidéo sera un petit peu longue. Tant pis. Ah, c'est super beau, hein, quand même. Ah, me voilà. J'ai encore reçu la visite d'Ulvund en personne. Il a insisté, mais je n'ai pas cédé. Et je peux même le dire, je suis allé jusqu'à riposter. Incroyable, non? Je t'écoute. En préparant son plat, j'ai mis 3 pincées de sel. Au lieu de 2. Chaque voyage commence par un premier pas. Je crois que j'ai ce que tu as demandé. Comme tu m'as donné l'inspiration, je vais tenter de te rendre l'appareil. Au fourneau. Milduf, c'était incroyable. La prochaine fois que tu voudras le meilleur, tu sauras où me trouver. Et pour ta prochaine commande, c'est la maison qui offre. Merci. Et ne te laisse plus marcher sur les pieds. Puisque t'en parles, tiens-toi bien, et je concocte déjà ma prochaine action de résistance. J'espère à bientôt. Allez, on s'arrête là. On prend un point de compétence, c'est pas mal. Allez, on arrête ici. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.